Mesdames, Demoiselles et Messieurs, bienvenue sur Contact Pro Live Réflexion. Réflexion, aujourd'hui nous sommes le 26 octobre 2024. Merci en tout cas pour tous ceux qui sont en train de me supporter, tous ceux qui sont en train de m'encourager sur cette chaîne. Merci pour vous les abonnés, merci pour ceux qui reviennent encore une fois de plus après un long moment. Pour ceux qui nous suivent pour la première fois, je vous dis merci et donc je vous accueille ici avec beaucoup de joie. J'espère que le titre vous a intéressé, peut-être que c'est le titre qui vous a fait sursauter. Mais je vous dis que nous sommes là, ça fait plus de 5 ans maintenant, que nous sommes en train de réfléchir sur notre République démocratique du Congo. Depuis 2019, mon nom c'est Germain Kaindo. Et nous émettons à partir de Johannesburg. Donc, vraiment, soyez à l'aise. Nos réflexions ici, nous réfléchissons sur les solutions à apporter, à appliquer pour que nous puissions appliquer dans notre pays, pour que nous puissions connaître aussi le développement comme tous les pays, comment ça se développe, comment est-ce que les gens sont en train de reconstruire leur pays. Donc, ici, notre pierre pour l'édification de notre pays, ce sont les réflexions que nous ne cessons de vous apporter. Et les encouragements qui viennent de vous, vraiment, c'est cela que j'attends, c'est cela que qui me fait encore, qui me donne beaucoup de courage de continuer, parce que je constate que je ne prêche pas dans le désert et que le message que je vous amène, le message que je prône ici est un message très très important. Le message de paix, un message de reconstruction. Nous ne faisons pas des injures ici, nous n'acceptons pas les injures, nous ne faisons pas de djalélo pour quelqu'un, nous ne travaillons pas pour quelqu'un, mais nous travaillons pour la République démocratique du Congo. Nous travaillons, nous réfléchissons pour vous, nous proposons ce que nous pensons qui peut être bon pour notre pays. Comme vous l'avez lu dans le titre, oui au changement de la Constitution. Je martèle encore ça, oui au changement de la Constitution. Mais où est-ce que Félix Tshisekedi, notre président, a failli? Pourquoi est-ce que les choses ne vont pas bien? Est-ce que c'est à cause de cette Constitution que moi je me demande, que moi je prône à ce que nous puissions changer? Je ne pense pas. C'est quoi maintenant le problème? Est-ce que nous connaissons notre problème qui fait à ce que nous continuons à tourner en rond? C'est cela que nous allons réfléchir cet après-midi, mes chers amis. Et je pense que je vais à ce que nous puissions réfléchir, vous et moi, pourquoi est-ce que nous devons changer cette constitution? Et comment allons-nous le changer? C'est ça le problème et c'est ça la faute. Donc, restez avec moi pour que nous puissions réfléchir. Comment nous pouvons changer cette constitution? Pourquoi nous devons changer cette constitution? Est-ce que la constitution a un problème que nous devons changer? Est-ce qu'il y a un problème? Ou bien des propositions qui sont dans cette constitution sont-elles, nous empêchent-elles à développer notre pays? Bande koyangwana toko réfléchir nanu lelo, totala ndengenini toko kende ensemble, nala kisabino, ce que moi je prône ici, depuis le début de cette émission, lorsque je lisais cette constitution, article par article. Voilà. Avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Et puis, nous allons revenir pour essayer un peu de réfléchir sur la constitution et les discours de M. Félix Tshisekedi à Kisangani. À tout à l'heure. Voici le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. RDC, un ministre acquis à demi-mot, un autre d'occasionner la fraude à l'importation des produits pétroliers. Maniema, un autre accord sur l'instauration d'une taxe conventionnelle signée entre le gouvernement provincial et les pétroliers. Mine. Félix Tshisekedi instruit la mise en place d'un dispositif de contrôle rigoureux. On va sur actualité.cd.
Goma, plus de 450 criminels présumés arrêtés et 350 armes récupérées dans le cadre de l'opération Safisha Mujiwa Goma. Et puis, Sud Kivu, ouverture d'un procès de Dona Kwenga Omari, chef milicien accusé de crimes contre l'humanité. Kwilu, toujours sans bureau définitif. L'Assemblée provinciale divisée sur la question des élections à Massimanimba. Congo profond, foot, Otis Ngoma présélectionne 36 joueurs pour le stage de Léopard en vue des éliminatoires du CAN. Championnat d'Afrique de boxe, déjà 4 médailles d'or pour la RDC avant la clôture ce samedi. Nord Kivu, l'UFDPC annonce une riposte aux attaques du M23. 7 sur 7, Augustin Kabouya somme la première force dans ce pays. Personne ne peut nous intimider. Et puis, Metelsat Kinshasa sera sous les pluies et orages ce samedi. Et puis, enfin, toujours Kabouya qui parle là-bas. Félix Tshisekedi inspecte les grands travaux à Kisangani. On va terminer par Radio Okapi. Insécurité dans le Grand Oriental. Félix Tshisekedi promet des solutions dans un plus bref délai. Kinshasa, des jeunes informés sur les actions des Nations Unies pour la paix et le développement durable. Et puis Kwilu, la population appelée à adhérer au processus électoral en cours à Massimanimba. Merci, on se revoit prochainement. Voilà, mes chers amis, nazo se kapo nani parce que batu ebele bazo tala nga siko bazo lobananga mo tala vie oyo tala mutoyo azo linga au changement. Ça c'est le langage de ceux qui s'opposent au changement de cette constitution. Et je suis pour eux aussi. Naza pepo na bino bande konangai. Moi je prends le changement de la constitution dans l'ordre et je vais l'expliquer tout simplement ici. Naina ko revenir te na makambo o tangu to bandaka ko tanga constitution oyo article par article na debia tangu to lansaka chaîne oyo contact pro live bokomo na kaka ta na description anase ce que je prône, quelles sont les valeurs que je prône pour que to changer constitution ou bien to salanine. Moi je remarque une chose qu'en République démocratique du Congo nous faisons les choses à la légère. D'une manière cosmétique, bande konangai. Mbo kanabiso toko dirija kangote, kaka kopo na koloba, paka nabajale lote. Nous ne voulons pas travailler. Pourquoi est-ce que to bandaki na kotange la bino na tangu to lance chaîne oyo? Nous avions commencé à vous lire la constitution parce que target nabiso ezala ka constitution. Nous avions constaté. Et lorsque vous me suivez, lorsque vous allez dans mes vidéos, nous lisions l'article et nous regardons comment ça s'appliquait sur terrain. Après avoir lu la constitution, to pasaka na ba element ya cause, ya ko tuna bino na monaka ba mituna na bino. Bolobi te constitution za na problème te, eza problème ya batu. Les hommes. Et là nous avions eu des problèmes encore une fois de plus, je vous ai montré que non, ce ne sont pas les hommes. Et j'avais dit que les hommes doivent venir travailler dans une structure. Les hommes font ce qu'on leur demande de faire. Pourquoi, et j'ai donné un exemple très typique, pourquoi nos médecins qui quittent le Congo, les Congolais, excellent ici en Afrique du Sud? Parce qu'il y a une structure qui fonctionne. Et toi, Nathan, tu as dit que tu as dit balobi misala na bino bokobanda kosala yango wana ebandi awa esuki awa. Soko kei au-delà et komi kokoso. Tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire ceci. Voici ce que tu dois faire. Est-ce que constitution na biso? Eza kope sa bagarre de fou wana na ba institution na biso? Moi je ne pense pas. Et c'est là où j'avais décelé l'article na biso oyo. Ezako na kati en constitution na biso o ezako ko tala makambo ya ba province na gouvernement central. Vous allez voir qu'il y a de la cacophonie là-bas mes frères. Vous ne pouvez pas donner deux fonctions à deux institutions provinciales et donc nanana nina
na central na donc na gouvernement central na gouvernement provincial. Il y a de la cacophonie. La constitution ici nous a demandé de faire la rétrocession, donc de faire la décentralisation. Est-ce qu'elle a-t-elle été faite? Qu'est-ce qui a empêché à ce que la décentralisation se fasse? Nous l'avions évoqué dans l'émission ici. Ba cacophonie belé to monde to la kisaka yango awa ke non. Ezo simbate oyi ko simbate. Les comités, les assemblées provinciaux ont-elles vraiment le poids exprimé dans la constitution? To monaka yango te. Nous avions proclamé les entités décentralisées et les entités concentrées, tout ça. Ces histoires-là ne fonctionnent pas. Et c'est là où nous avions dit Likambo ezali awa. Batu msusu ba epsanga ke non ezali batu eza conscience abatu. Si il faut que ces gens-là puissent être conscients. Non. L'homme de reste un éternel tricheur. Bande konangai, l'homme est, même awa en Afrique du Sud, batu ba yiba kambongo. Mais ce n'est pas à la hauteur na ndenge ya mboka na biso te. Pourquoi ceux qui t'ont mis poser question na okomona ke non ba misala o ba pesaka na ba gouvernement provincial bazali bloqué quelque part ba koki ko sala misala o gouvernement central a koki ko sala te. Et là nous voyons, par exemple, je vais vous donner un exemple encore une fois de plus. Bomoni misala o esale makana gouvernement central. Et le gouvernement central a combien? Il a à peu près 56-57 ministres. N'a pas ministère rebelle à 57. Mais dans les provinces, où est la base? Nous n'avons que droit à 12 ministres. Gouvernement provincial, les AK n'a droit à 12 ministres. Donc, le poids, il y a misala na province, eza basala kanabango et l'autre côté. Tout est dans le gouvernement central. C'est comme ça que moi je me suis dit, Bandeko, il faut que nous allions aux réformes. Ba réforme wana eza ba réforme institutionnelle na forme à l'état na biso. Bon, beaucoup de gens vont me dire que non, ngai naza kolinga, peut-être que non, Tshisekedi muta pesinga mbongo na sa porte. Et loko nga na banda kolobango depuis kala, depuis to banda émission oyo. Que kokoso ezali. Et même d'autres personnes m'ont envoyé les vidéos de Mbata disant que ça c'est la meilleure constitution, tout ça. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ils ont favorisé clique wana dirigeante. Constitution Nabiso, ils ont favorisé clique dirigeante au bateau bazana pouvoir. Et ces gens-là font ce qu'ils veulent. Batouana basala kamakamunenge balingi. Et vous allez voir, même dans l'applicabilité des choses, et là, comme mon côté président, Koki Kosala, non, le président il est le maître de tout, il est le gouverneur, il faut ezala na approbation à président de la République. Donc le président de la République a un pouvoir ébélé. C'est ainsi que nous sommes dit ezaka kate que makambo batwaza koloba que Félix Alinga s'éternise au pouvoir. Nous avons un problème structurel en République démocratique du Congo dont nous devons voir. Et puis moi j'ai vu batwebele o baza ko réfléchir sur changement en constitution. Ils vont tout simplement porter leur attention sur le pouvoir que porte le président de la République. Bazolinga ba pesa disu sous président de la République pouvoir ébélé. Oh, à Nomakaba province, ce n'est pas ça la démocratie. Et là, quoi, n'est-ce pas comme ma démocratie Nabiso? Mais quelqu'un me pose la question ici en me disant, parce que Nazala qui na TikTok, bah, il y a un lobby, mais yo zolo batokuto changer constitution. Et là, quoi, n'y a pas de constitution, n'est-ce pas? Bah, article belé, soko tangi constitution Nabiso, okomona, moi je parle de la gestion de l'État. Fonctionnement, y'a pas ministère, soko tali au lobby. Ce qui est à cheval, par exemple, président de la République na premier ministre Nabiso. Le premier ministre est imbibé aujourd'hui aza pratiquement caporalisé na président de la République. Donc, on ne sait pas le travail d'un premier ministre na travail avec le président de la République.
et puis eloko wana soki sam nani ilunga nkamba nani na président na Tshisekedi bawele la kase grâce à ces histoires là ba prérogatives à premier ministre ne s'exerce pas. Quels sont les garde-fous qui garantissent à ce que le premier ministre puisse faire? Est-ce que c'est sa personnalité? Est-ce que Zali Kozalana Mutumoko ou Kozala plus puissant que le président de la République? Ce n'est pas le problème de la puissance d'un homme. Et ça va prérogatif au Yotoko Pesa na Mokonzi Tolobi. Mokonzi Bandan Awande Babilo Konoe Bandi Awande Suki. Regardez comment le président de la République, il est le garant suprême de la République, de la magistrature. Il est tout finalement Makambunyoso. Ce qui peut et baby na kwango au président de la République ya capitale la biso likambo oyo. Et lokonyoso ce qui est baby, il faut bazo crier kaka président. Ba tunyoso tout bazo tale la mokonzi. C'est ça que moi je pense que il faut koto changer ango. Ça ne peut plus continuer comme ça. Le président de la République ne peut pas être un magicien, comme disait Mobutu. Parce qu'on s'est trouvé dans un engrenage où on ne sait pas qui fait quoi. Bah, ministre, gestionnaire à Bambongo, on vous dira que non, le ministre a détourné comme ça, détournement à fond. Ça ne devrait pas se faire dans un pays organisé et organisé par des textes qui ont mis des garde-fous à ce qu'un ministre ne peut pas être gestionnaire à Bambongo. C'est lui finalement qui signe. Makambo Mbongo et donc et totikala na nani na mboka na biso likambo ya Mbongo et koma kaka nyoso to koma ka Mbongo tire na nini ezako tire na ba dégringolage na ba biloko oyo ezako uta na nani na constitution na biso. Mais où est-ce que moi je suis pour cette constitution, constitution oyo toyo kanaka. Bien sûr, Toyo Kanaka, les Congolais ont pensé que, dans la bonne volonté, les gens auront de la bonne volonté à travailler pour le pays. C'est pour cela que les gens nous sommes entendus à mettre la constitution. Mais au fil des années, lorsque nous commençons à voir l'application de Toyo Kanaki, et comme il faut dépendre de Batou. Donc l'humeur déjà, aujourd'hui le président de la République peut se réveiller, il dit qu'il va entamer un projet comme ça. Il n'a jamais été obtenu. Le consensus national n'a jamais été obtenu. C'est tout ça que nous disons. Il faut préparer cette 4e République na mandat na yo asika oyo. Et que le peuple pourra s'exprimer en disant. En tout cas, tozana mboka na biso, mboka oyeza mbo. Banyongo o tozana ngo yango. Nous devons travailler pour to futa banyongo na biso. Nous devons faire ceci. Aujourd'hui, makamunyo se komika na gouvernement. Point ici. Oui, le gouvernement est en charge. Oui, je l'ai dit. C'est le gouvernement qui est redevable devant le peuple qui lui pose la question. Toli akate, binonde to pesa ka bokonzi. Bokonzi yango esa. Problème est à bisogno so ba congolais. Nous devons savoir que to solo la te. Tozo boma na bisogno so mutu na mutu okiko yiba mbongo sans que azala redevable na mutu. Tout le monde cherche une opportunité à être au pouvoir et commencer à voler l'argent comme il veut. C'est ça le problème. Et c'est cela que nous avions conseillé au président de la République depuis 2019. Réorganiser l'identification et le recensement de la population. Dans quel sens? Est-ce la simple bandeko? Convoquer les états de lieu de chaque territoire où le peuple à la base pourra décider de son avenir. Bah, état de lieu, nous avions dit, est-ce la canne à deux points simplement. Identification, na ébauche, réflexion à une nouvelle constitution qui sera prônée à la 4e République. Lorsque nous allons commencer à nous identifier, nous allons aussi redonner cet état-là, Makassinae. Parce que c'est à ce moment-là que nous devrons donner une carte d'identité originale, Yakoloba. Moutouté, Akogiko Pirate, carte Oyo. Personne ne pourra venir se proclamer que nous sommes congolais. Et Batounababi, tout qu'il faut pas solo là. C'est ainsi que moi j'ai parlé ici, Nakatia va état de lieu de territoire Rwanda. Qui va réunir qui? Batouni n'ango ba ko siéger kuna. Ce sont d'abord les tribunaux, ba tu as ba tribu.
chaque territoire, nous connaissons le nombre de tribus qui occupent les territoires. Et nous connaissons même les notables de toutes ces tribus-là. Batouba s'organiser na kati ya ba territoire pour se choisir ne fût-ce que 300 personnes ya mabatu amayele ba kende ko réfléchir, ça sera des Congolais. Et c'est par là que ces gens-là, on va organiser comment est-ce que nous avons identifié les Congolais au niveau de la base. Batouna batou tozana structure que ba yebi que non awande comme ça, c'est comme ça que nous allons commencer à identifier les Congolais. Ça peut nous prendre combien de temps parce que batou ba yebele ba. Dès que nous lançons l'idée au niveau même de la République, et moi c'est ce que j'attendais à ce que le président puisse dire ça à Kisangani en disant « Bandeko, nous avons trop souffert, allons maintenant sur le bon chemin, qui est d'abord de nous reconnaître, de savoir vivre ensemble. Toyo kanato vivre ensemble, bisonyoso, mboka o eza yamgaite, mboko eza ba lubate, mboko eza banandete, mboko eza ba mbunzate, eza bananite. » Mboka Oyo appartient à tout celui, comme dit l'article 10 de notre constitution, celle-là. Cet article 10 est congolais, tout celui qui appartient à un tribu ou une ethnie ayant ses terres, Bandeko, apprenez à gérer vos terres d'abord. Et donc, dans ces assemblées provinciales et territoriales-là qui seront convoquées, c'est là où les gens devront avoir deux sujets tout simplement. Si je m'y balais, élaborer une ébauche, réfléchir sur une ébauche, donner des idées sur une ébauche de la Constitution et identifier et recenser le Congolais résident dans ce territoire-là et signer un pacte de paix.
Et ces conférences nationales et territoriales là doivent être souveraines, c'est-à-dire que bazwa ba influence à Kinshasa te muluba ta ko kende ko vanda na conférence à Banande na ba Tembo na banani oba zalaka na Nord Kivu. Nous connaissons. Et nous pouvons dire que dans un territoire, par exemple, terre, voici les tribus qui sont là. Quels sont les gens qui sont à la tête de ces tribus-là? Bavanda, bavanda. Parce que ce sont là les vrais Congolais. Batu oyo, bakutama na kati ya ba territoire, kuna bakovanda, bakoloba, ok. Bankumu na biso bangoyo. Voici nos notables, voici les enseignants, voici nos moniteurs. Voici ce que nous reconnaissons qui peuvent aller siéger. Pour élaborer une nouvelle constitution, ils peuvent aller siéger pour nous mettre une structure en place pour que bas identifier Batou. Si j'ai un ami balé, nous pouvons traiter ça pendant 6 mois. Et à la fin de ces 6 mois, nous aurons une liste de tous les Congolais. Et c'est parmi ces Congolais-là que nous pourrons dire maintenant, nous avons une carte d'identité, chacun a une carte d'identité. Et c'est par là que les choses commenceront à marcher. Parce que imagine-toi lelo, Bakangi Mutu, Aiba Kimbongo, Lobi va nommer un ministre. On n'a même pas, on ne peut pas le bloquer quelque part, on ne peut rien faire de lui. Et vous voulez vraiment que nous puissions continuer sur ce lancer-là? Tokozaka ko s'embrouiller bande konangai. Et loko tozo senga awe ezali nini? Ezali effectivement, tozala conscient que mboka oyo ekotongwa maka na baluba te. Mboka oye kotonga maka na baswahili te. Mboka oye kotonga maka na bangala te. Ekotonga maka na biso nyoso soki toyokani, soki tozana bomoko. Nous devons avoir une certaine unité nationale. Et cette consensus nationale que nous n'avons jamais eu depuis 1960. Ba politicien na biso après l'indépendance ont commencé à s'entrer dedans. Pourquoi? Parce qu'on ne savait pas qui est Congolais et qui ne l'a pas et qui ne l'est pas. Tout le monde voulait être comme le blanc. Tout le monde voulait avoir le pouvoir. Nous avons des idées nangai ya koloba ke non. Pour que toi aide mon konzi o yaza en place, Félix Tshisekedi. N'y allez pas comme ça. Parce que Tokobanda tourne kaka rond. Mettez les fondations d'une nation. Et les fondations de notre nation commencent par l'article 10 de cette constitution ici. Parce que la constitution a un peu de konzi. Comme on a un peu de konzi dans ma boko, au monique non, koko so ezali, bozo koloba, oh, constitution a ezalaka rédigé na batoubo, ezalaka dirigé, batoumsouba lobite, ezalaka salemaka na kisangani, tout ça, tout, ezaya bapaya. Tout ça, ce sont des arguments qui ne tiennent pas debout, mes frères. Ça ne tient pas debout. Alors, comment est-ce que nous pouvons continuer à aller dans ce sens-là où nous savons que faire aboutir Bisson et l'eau comme mon côté? Réfléchissons et rentrons à la raison en disant Moutounio sonakati amboka nyoso azalakata na moi nkele yakoyi bambongo. Ça quitte chez nous. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une jungle totale. Donc, chez moi, Bisson Otozo Lobayangoana. Il faut absolument convoquer les états des lieux de chaque territoire. Les états des lieux, chaque territoire, ils sont là au même moment pour éviter à l'objet que non, tout le monde influencé. Non. Dans le territoire, ils sont vous allez réfléchir sur les problèmes qui sont dans vos territoires en disant voici tous à combien awa. Quelles sont les tribus qui sont ici qui peuvent contribuer à l'élaboration d'un texte qui sera examiné. Alors, le texte, on a autant que vous allez dans le territoire. Le territoire va réfléchir sur un texte qui sera dans la Constitution. Ce texte-là pourra être maintenant aller au niveau des provinces. Au niveau des provinces, pour tout harmoniser le texte, on a, et puis envoyer ça maintenant, ça au niveau national, pour que toi adopter le texte, on a, ou écoler qu'un référendum. Pendant ce temps-là, c'est pendant ce temps-là où les gens, les territoires, les zakoyakuna, les journalistes, banani, tous les composants de la société, ont vont ensemble pour réfléchir sur une nouvelle constitution. Par exemple, le problème en nationalité, et sa préparation.
quelqu'un m'a dit que non, il faut à la période de la transition. Non! Pas vraiment. On ne peut pas aller dans transition à Nîmes. Le pays fonctionne maintenant. Il faut que nous puissions aller dans ma solo, dans le dialogue. Et ce dialogue-là que moi j'ai prôné ici en disant que oui au dialogue, mais de quelle manière faire parler les Congolais de la base. À partir de la base, le Congolais doit parler, doit s'entendre. Ba vandina batuna bango balobite biso na banyamulengo towele la kanini. To tiana nu manduki na se, OK batunyoso to basima mandoki boya nanu awa to solo la. Biso na kati ya province ona territoire na biso awa, to lingili susu makambo ba bitumbate. Bino to pesaka bino bilanga oyo. Bon OK biso na bino to zaba yomba comme chez nous on dit. Nous sommes des frères et tout ça, mais Bino Bozaba Rwanda, est-ce parce que je suis sûr, et je vous l'avais dit ici, le problème aux Okolekana Est, quand vous mettez les tribus ensemble pour Keba Solola, nous aurons déjà à mettre l'Ikambouako Sololaka, n'a qu'on trouve la solution au niveau de la base. Pendant combien de temps les Mounyamoulenge habiter notre Nord Kivu. Même avant l'indépendance, Bazali. Quelqu'un va me dire que non, Yoza Rwandais, tout ça. Ça, c'est la réalité. Que nous ne devrons jamais attendre ça, l'indengeni, ni tokolongola, car la réalité, on a été comme à ceux qui nous allaient. La vérité restera la vérité. Si nous avions dit que tout est congolais, celui qui habitait sur le territoire avant le 30 juin 1960, il y en a. Il y a des Congolais qui ont de l'expression rwandaise. Bien sûr, c'est compliqué. Babilo Kananyoso, Ndeza Kobote, la biso ba problème siko. Nous nous sommes compliqués, nous nous sommes entrés dedans pour rien. Au lieu de résoudre les problèmes identitaires dès le commencement, on devrait déjà se fixer. Tout ça en mesure à cocadrier pour nani mboka na biso te. Il y a quelque chose qui dérange là. Donc, moi, si je veux dire ici, je demanderai au président de la République de faire un rétro. Tokende na idée, on a l'obit de changer la constitution. Mais voici le schéma que je vous donne pour que nous puissions d'abord arriver à une unité nationale. Toyokani, Tolobi, bon, procédure maintenant. Il y a qu'on passe dans la 4e République. Yango oyo. Sinon, ce qui au sali yango te président de la République, nanga risque d'arriver à Kinshasa. Et nanga est en train de prôner le fédéralisme là-bas. Et c'est là où nous soupçonnons peut-être que Eokio Memelabiso et Lokomoko y a balkanisation parce que tout ça qu'on insistait kaka que non. Biso kaka, biso kaka, biso kaka. Nanga pourra venir avec un nouvel texte. Il aura le pouvoir par la force. Mais je suis en train de prier Dieu que nanga aya siko na idée ya kobongisa mboka na biso par la base. Batuba yokana makambo ko bundeza te mabele oyo et c'est toutes ces richesses qui existent, c'est pour tout le monde, ce n'est pas une certaine classe de la population. Za baluba kakate mais baluba ngo baza pe na ba diamant pa na bango salela bango nini et l'autre côté. Mais si la richesse est bien gérée, ça va aider tout le monde. Nous sommes en train ici de vivre dans d'autres pays à l'étranger. Si nous sommes en Afrique du Sud, aux hommes on a balabala au mitouni au lobi, mais c'est pas possible. Pourquoi bango kaba ou kikozala na boanya kotonga biloko? Ce n'est pas simplement ce que nous voyons. Eza strictir ou eza e bandeli. Bayokana kindenge nini. Qui doit faire qui? Mouibi bakotia e wapi. Nani angwa ko gérer nini. Comment est-ce que nous allons contrôler ça? Et ça au niveau des territoires, on peut s'entendre. Voilà bande kwelo kona linga kina ye la bino yangwana. Je crois que je me suis justifié. Et le titre que j'ai mis ici, je crois que vous avez compris pourquoi j'ai dit oui à la constitution, au changement de la constitution. Mais Félix est en train de commettre une erreur en proclamant la fin au lieu de commencer à faire passer une idée de la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Quels sont les mécanismes que nous allons mettre en place pour que, en fait, et comme il s'habille, surtout à changer la constitution.
Ce n'est pas du cosmétique. Tokola taka mbalamo we boete ke non to changer comme to la muki ka mbalamo to changer constitution. Et c'est ça qui montre effectivement que toza ko réfléchir te. Mboka oyo sokeza na ba batu. Lokola batu ya ba tiseke di ndenge baza ko réfléchir wana to kenda ka musika te. Et moi je me pose comme question ba intellectuel na biso baza wapi? Où sont nos intellectuels? Sont-ils en train de se battre pour leur poche aussi? Ça, c'est la question que nous tous nous posons et nous aimerions avoir la réponse. Alors, donc, merci beaucoup. J'espère que Batou Obo Komiti Souka Awa vous abonnez parce que tous vous continuez à marteler comment est-ce que Kolak Sabino, comment procéder à Kokikokende, Ti Nasuka Nango, et puis pour que tout le monde finalement puisse se reconnaître que nos Congolais, azo réfléchir Congolais, Azaka kamutu apamba pamba te bo alinga mbongo te. Donc abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné pour que bo comprendre succession ya ba ide na biso ndenge tozo kende. Succession na ya ba ide na biso ezali ke non, il faut absolument to komisa mboka oyo un grand pays comme nous le chantons dans notre hymne national. Merci donc, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir.